Allez, alors, bah, du coup, après le premier tour que Thierry m'a fait de Fast, bah, du coup, j'ai regardé les explications qui sont effectivement particulièrement très longues. Et comme bah, c'est que du parler et qu'il n'y a quasiment rien, et que je suis une bille en anglais, encore ça va. T'as que, galéré, hein, ouais, ça va que ça reste de la magie, donc du coup, bon, bien sûr que j'ai compris. Mais du coup, ça a été très long. Alors, celui que j'ai fait moi, c'est Berg. C'est Berfast. Voilà, et non pas Berglas. C'est pour ça que ça m'étonnait que tu dis ça. Oui, mais ils disent que c'est le fameux classique de Berglas. Il parle de ça dans le texte. D'accord. Moi, c'est Bergfast. La légende de Berglas, voilà. Alors, on a un client qui vient de rentrer et on s'est dit, tiens, pourquoi pas lui faire à lui directement. Oui. Eh bien, pourquoi pas. J'atteste que je ne suis pas compère. Je passais et alors ils m'ont dit, tiens, tu vas participer à l'expérience. Alors, eh ben on va le faire avec toi. C'est la voix de ta marionnette, non, non. Non, la voix de ma marionnette, elle parle comme ça. D'accord. C'est Pustule, ma marionnette. Pustule, d'accord. Ouais. Pour pas me reconnaître. Hein. Pour que personne ne sache qui je sois. Je mettrai ton nom en gros. Non, on dit juste Valentin, voilà. Ouais, comme ça, c'est fait. Tiens, on va faire une petite expérience, Valentin. Thierry avec moi à côté, mais je vais le faire à toi, ouais, Valentin. Ouais. J'ai... un jeu de cartes, 52 cartes, hop, et j'ai une petite prédiction. Okay. Ici, au niveau dans la boîte, ouais, je vais laisser la boîte ici, de façon à ce qu'on puisse bien la voir. Je vais te proposer une expérience. Par exemple, imagine si je te fais, par exemple, très rapidement comme ça, instinctivement, chien ou chat? Ben, chat. Chien. Ah, vous n'avez pas dit la même chose. Donc peut-être que vous n'avez pas la même personnalité. Et oui. Puisque effectivement, bon, déjà, vous n'êtes pas pareil, pas le même âge, mais du coup, forcément, tout le monde est différent. Et du coup, bon, déjà, je peux te montrer un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Ok. Et Valentin, si je te dis tout de suite comme ça, coupe un endroit. Oui. Vas-y, vas-y, tac, 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 vas-y, tu prends instinctivement, tu coupes. Bah, mais tu recomplètes, super. Si je te dis tout de suite comme ça, une couleur, tu me dis quoi? Noir. Rose. Noir, pas par rapport à un jeu de cartes. Hein, pas par rapport à un jeu de cartes. Bon, si tu m'as dit noir, tant pis. Noir, tant pis pour moi. Ok. Ouais. Je te dis noir parce que je suis en noir. Hein, mais je commence à cerner ta personnalité. Attends, une dernière question parce que je vais faire un truc par rapport au jeu. Tout de suite comme ça, si je te dis une marque de voiture. Tata, tout de suite. Rolls Royce. Ah oui. Pourtant, il roule en Renault. Ouais. Ça commence par R. Ouais, mais alors tu sais, je pense que suivant ce que tu m'as dit, Valentin, je me permets de faire quelque chose. Parce que je pense. Ouais. Je te quitte pas des yeux. Rolls Royce, tu m'as dit? Oui. Ah, je pense que toi, c'est ça, toi. Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Je viens de passer un nombre de cartes qui me. Alors que t'as rien fait encore. T'as même pas réfléchi, même pas pensé, rien. Ah, j'ai eu. Non, moi, j'ai peur. Maintenant, regarde. Tout de suite, instinctivement, là. Ou tu coupes, tu recomplèteras, on prendra les deux cartes, d'accord? D'accord. Allez, t'es prêt? Oui. Top, instinctivement, tu coupes, tu complètes, et donc, choix libre. On peut pas faire plus clean que ça. C'est clean. Pas deux, on va prendre dessous, machin, ou t'as coupé, on prend. Maintenant, je vais te poser deux questions, enfin, du moins une question. Première carte, deuxième carte. Le fait d'avoir choisi deux cartes, on a généré, en fait, une troisième carte. Par exemple... On pourrait très bien dire que c'est un 10 de trèfle qui vient de sortir en générant en fait ce couple de deux cartes, ou bien un 7 de cœur. Instinctivement là, tout de suite là, qu'est-ce qui te viendrait plutôt en tête? Le 10 de trèfle ou un 7 de cœur? Le 7 de cœur, bien sûr. Les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde. Ah, ben donc t'imagines que tu aurais pu faire ce que tu veux. Le 7 de cœur. T'imagines que on a mélangé un jeu. T'as coupé instinctivement une position. Je t'avais dit que j'avais une petite prédiction dans l'étui. Et là, t'as décidé que la carte que tu voulais, c'était le 7 de cœur. Regarde. Une seule et unique carte. Rien d'autre dans la boîte. D'accord. Ma prédiction était le nombre 39.
Oui, c'est un peu différent du set de cœur quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ouais. C'est vrai que jusqu'à là, ça veut rien dire. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux prendre le jeu, Valentin, s'il te plaît? On n'est pas obligé de te voir, mais si on voit tes mains, c'est très bien. Et tu vas compter jusqu'à 39. Oh, tu peux avancer, on ne te voit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il manque 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici ? Ouais. 9. Une de plus ? Une de plus, ouais. Je regarde. Regarde, ça aurait été le 4 de trèfle. Donc le 40 aurait été le 4 de trèfle. Une le de moins. 38 ça aurait été le 10 de pique. Et tu peux vérifier toutes les cartes une par une. Qui est pas un montage particulier, un ordre, qui est plusieurs peut-être 7 de cœur. Mais ce qui est fou, c'est qu'à la 39e position, Valentin, au premier coup d'œil, t'en vois pas ? Pas d'autre 7 de cœur. Tu as choisi toi-même le 7 de cœur. J'ai... Et j'avais prédit 39. Et ce qui est fou, c'est que c'est un... Oui, joli. Voilà cet effet. Donc, deuxième effet qui s'appelle celui-là. Je ne me rappelle plus. Bergast, c'est ce que tu m'as fait toi. Fast Memory, c'est pas ça. Celui-là, il s'appelle Fast Open. Voilà, donc très très bel effet. C'est le même jeu que moi. C'est exactement le même jeu que toi, ouais. Donc, en fait. Donc la coupe qu'il a fait, c'est vraiment une coupe au hasard. Ouais. C'est pas une coupe, parce que le fait de dire va vite, des fois on... Oui, non, tout à fait, non, mais c'est parce que c'est... J'ai vraiment eu l'impression que c'était pas dirigé. Il aurait pu chercher et couper. Donc ce que tu disais au départ, qu'on pouvait faire enchaîner les tours, en fait, d'entrée, même si on a fait le premier, effectivement, on peut faire les autres, et ainsi de suite. Donc, c'est franchement, c'est bien. Non, c'est clean. C'est clean, hein. C'est joli, hein. Très joli. Voilà, c'est joli. Il y a beaucoup de degrés de liberté. Exactement. Et c'est bien. Donc, c'est bien. Voilà. Ah ouais, ouais, super. Intéressant. Donc c'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'était C'est cool. La petite démonstration de Fast, et qui s'appelle donc Fast Open. Oui. Ça enregistre toujours, mais tu comprends. Ça me fait penser à du Danida Ortiz un peu. C'est pas de lui. Non, c'est pas de lui. Il est souvent dans ce genre de procédure un peu. Ouais. Mais après, c'est des vieux principes. Hein. Là, on a regardé sur le coup ce que Thierry m'a fait le premier et j'ai pas vu les autres, donc je savais pas ce que c'était. Mm. Ça reste des très très vieux principes. Ouais, mais c'est pas remontable. Mais c'est bien. Non, pour un spectateur, c'est impossible. C'est bien. Il y en a un autre que j'ai fait moi où c'est que penser. Ouais. C'est bien. Je m'occupe de Valentin et on se revoit dans 2 secondes pour la suite des 2 tours. Ouais.